La route de l'Est du pays continue pour les corbeaux du tout-puissant Mazemba Englebert après un premier succès dans la ville de Bukavu face à l'équipe de l'Étoile du Kivu. Les hommes de Franck Dumas sont attendus ce mercredi au stade de l'Unité, là qu'ils seront reçus par l'équipe de Dauphin Noir. Et à cet effet, au lendemain de leur victoire à Bukavu, face à l'Étoile du Kivu, un but à zéro, les Noirs et Blancs ont pris le bateau dans la matinée de ce dimanche 19 décembre 2021 pour allier Goma. Les Noirs et Blancs ont fait 3 heures de traversée. Les hommes de Franck Dumas sont donc bien arrivés dans la ville de Goma, là qu'ils vont se poser pour préparer dans la sérénité le prochain match. Une délégation de l'équipe de Mazembe composée de 32 personnes, dont 21 joueurs. Le groupe du tout-puissant Mazembe est donc au grand complet et rien ne semble perturber la bonne lancée du tout-puissant Mazembe qui est à l'heure actuelle leader du championnat congolais et qui vient d'enchaîner avec une 7e victoire consécutive en championnat national. Depuis la ville de Goma, pour le compte de Nyota Radio et Télévision, Joël Baniwa, Micha Kaïba. Arrivé dans la matinée de ce dimanche dans la ville de Goma, les joueurs du tout-puissant Mazembe se sont entraînés pour la première fois au stade de l'Unité. Dans l'après-midi de ce dimanche 19 décembre 2021, avant de jouer à domicile à l'équipe de Dauphin Noir. L'arrivée du tout-puissant Mazembe Englebert dans la ville de Goma n'a pas laissé indifférents les amoureux du football. C'est une question de retrouver parce que ça fait longtemps que Mazembe n'avait pas foulé les sols nord-kivusiens. Et nous ne pouvons que lui souhaiter la bienvenue, d'autant plus que c'est une équipe. Moi, que je considère d'ici, et que la plupart des Nord-Kivusiens apprécient beaucoup. Sur papier, Mazembe part favori, mais le football réserve souvent des surprises désagréables. On peut voir Mazembe se faire terrasser par Dauphin Noir parce qu'il n'y a pas longtemps que Mazembe a perdu face à Dauphin. Alors Mazembe viendra pas en victime expiatoire, mais en conquérant. Le leader du championnat congolais veut continuer sa marche en avant et enchaîner avec une 8e victoire consécutive en championnat. Et cela doit passer par une victoire face à l'équipe de Dauphin Noir dans un match prévu dans l'après-midi de ce mercredi 22 décembre 2021. Le TP Mazembe ne lâche pas son rythme de travail. L'actuel leader du championnat congolais se prépare de manière intense avant d'être reçu ce mercredi 22 décembre par l'équipe de Dauphin Noir. C'est sous la pluie de la ville de Goma que les corbeaux du tout-puissant Mazembe ont eu leur 2e séance d'entraînement au stade de l'Unité depuis leur arrivée. Une séance d'entraînement remplie d'intensité où l'on pouvait clairement lire la détermination sur leur visage. L'objectif pour Mazembe, c'est de garder la tête du championnat et distancer ses poursuivants directs. Prendre donc les 3 points sur la pelouse de Dauphin Noir est primordial. Des objectifs bien établis qui n'empêchent tout de même pas aux hommes de Franck Dumas de garder le sourire dans la bonne humeur. C'est avec un visage détendu et sourire aux lèvres que Franck Dumas, entraîneur du tout-puissant Mazembe, s'est présenté devant la presse. Avant d'affronter l'équipe de Dauphin Noir, Dumas reconnaît qu'aucun match n'est facile, mais que le plus important, c'est la victoire finale. Je ne connais pas de match facile, ça n'existe pas. D'accord, donc on se prépare à affronter un bon adversaire et puis à faire le max pour repartir avec les 3 points. Dans le football, il y a 2 choses. On doit s'appuyer sur plusieurs choses, mais il y a 2 choses importantes. Le collectif et l'individuel. Quand le collectif n'est pas là, c'est l'individuel qui prend la place. Et quand l'individuel n'est pas là, c'est le collectif qui prend la place aussi. Bon, c'est ça le football. Est-ce que vous pensez que... Non, il y a une évolution. Après, vous savez, la complexité du TP Mazembe, c'est que le projet soit réel sur la jeunesse. On le fait, mais il y a une chose qu'il ne faut jamais oublier au TP, c'est qu'il faut gagner les matchs. Donc il faut allier les deux. Être performant sur les résultats et à la fois aussi faire rentrer les jeunes. Donc c'est un équilibre pas toujours facile mais qu'on arrive à gérer. Le problème c'est que les joueurs sont impatients. Ça m'est arrivé de dire, un joueur m'a posé la question qui voulait jouer, j'ai dit ok par contre si t'es pas bon, tu ne joueras plus jamais. Ah il m'a dit non mais je vais attendre alors. Il m'a dit je vais attendre un peu. C'est pas le problème, c'est que c'est à moi de juger à quel moment je peux les faire rentrer. À quel moment ils seront le plus proche possible de leur qualité maximum. C'est ça qui m'intéresse. L'impatience a des qualités mais aussi a des défauts parce que
Parce que quand vous êtes jeune joueur, vous voulez vraiment tout casser. Mais quand vous êtes au TP Mazembe, il y a la pression, il y a l'obligation, il y a plein de choses qui se mettent devant vous et que vous n'avez pas calculé avant de dire « je veux jouer ». Donc non, mais à partir du moment où j'ai dit aux joueurs, là, à tous les joueurs qui sont venus avec moi, j'ai dit « tout le monde jouera ». Voilà, on part pour 5 matchs à l'extérieur, donc tout le monde jouera. Il est à noter également que les athlètes du tout-puissant Mazembe sont au grand complet. Les Noirs et Blancs se sont entraînés pour une dernière fois au stade de l'Unité avant la rencontre face à Dauphin Noir prévue ce mercredi 22 décembre. Une équipe de Dauphin Noir qui reste la seule équipe à avoir battu le tout-puissant Mazembe la saison dernière sur terrain avant que le tout-puissant Mazembe n'ait perdu d'autres matchs sur tapis vert. Le calme est finalement revenu dans la ville de Goma, 24 heures après les protestations de la population contre la présence des policiers rwandais dans la ville de Goma. Les situations semblent déjà être oubliées par les Gomatraciens. Toutes les activités commerciales, tant autres, sont en train déjà de reprendre leur cours normal et les habitants sont donc en train de vaguer à leurs occupations. Pour ma activité, à reprendre mes timidement. Parce que certes, il y a fujo, tout le monde a tout, il y a tout, mais il y a tout vraiment, il y a client quoi. C'est comme si Boga Kingali m'ouvrait. Après une journée mouvementée, le Gomatracien s'est dit satisfait de voir cette tension passer. Jana, qui l'a mouto, a constaté que ma activité zote dans mon domaine zote, il est paralysé, a coucou à ta case comme d'habitude. Mais leo mouvement yote iko bien seulement que huku ngambo ya yulu majengo njo kwenye ma activité inakuwa beaucoup plus paralysé par rapport na zingine kweza ville mais aussi tuko na wengine ba collègue nabo be tunatumika nabo hapa be walitokea kule wanasema kabisa bitu yote binafunguliwa na kazi natumikiwa comme d'habitude huku yulu nako. La ville de Goma a donc repris sa tranquillité et les habitants peuvent désormais vivre dans la sérénité. Depuis la ville de Goma, pour le compte de Nyota Radio et Télévision, Joël Banewa et Micha Kaimbe.